Bonjour, le salaud de Barcero. Je n'ai pas fait le concours d'être star. Pour être star, c'est Dieu qui donne. La Starmania ne se vend pas, Barcero. Le petit charognard, toi tu habites en exil. Tu m'avances les mots. Hein. Les amis, le pâté si, le papa si, a encore fait fort. On l'appelle le Grand Barak. Non, l'île Barak. C'est la deuxième fois qu'il fait ce genre de vidéo. C'est-à-dire, c'est la deuxième fois qu'il fait une sortie pour clasher Valsero. J'ai regardé cette vidéo, vraiment, il ne restait que mes larmes pour couler. Je ne suis pas musicien, certes, mais je vous assure que le monde de la musique est menacé au Cameroun. Oui. La musique souffre. Non seulement la musique souffre au Cameroun, mais les musiciens souffrent encore plus. Jusqu'à quand? Avant de vous présenter cette vidéo pour que vous-même vous compreniez, nous venons de perdre un grand artiste, Aïdjo Mamadou. Mais ça ne sert pas de leçon à ses collègues qui sont encore en vie. Donc à peine on perd un artiste, l'autre sort là, pap, il sort, il comment? J'ai suivi l'interview de Aïdjo Mamadou, il disait que il suffit qu'aujourd'hui, quelqu'un tape un peu les casseroles, juste dès qu'on commence un peu à l'applaudir, ça, il a 2, 3, 4, 5 vues, il commence à se mesurer avec des icônes de la musique. Et quand je vois ce papa, qui se classe aussi dans le rang des musiciens jusqu'à clasher Valsero, je me pose la question, ouais, la musique camerounaise. Aujourd'hui, nos meilleurs stars actuellement, c'est Lil Gonor, Lil Barak lui-même, il y a un nouveau là qui est encore sorti où c'est les bâtons, on fait quoi là, on l'appelle encore, qui jouait la fleur. Voilà les artistes de l'heure actuellement au Cameroun. Vraiment, ça fait pleurer. J'ai regardé une vidéo de Steve Fa où il était à l'Est. Il a présenté une icône, une ancienne, une maman qui nous a baissé quand on était tout petit avec sa musique. Yeah, yeah, yeah. Mais cette musique a fait fort. J'ai regardé la maman avec mec. Elle nous fait comprendre que c'est son manager. Bon, c'est un monsieur qui tant qu'elle parlait pas, elle s'exprime même pas en français. Elle parlait en langue. Et le traducteur disait que elle avait sorti cet album, ça a tellement pris le dehors et ça a rapporté de l'argent. Je suis son producteur ou c'est son manager. Le gars a pris l'argent, allé en Europe. L'a abandonné là-bas en Brousse. Et c'était le conseil, où c'est qui, une dame là, une grande dame là, qui a conçu une maison dans laquelle elle vit, où elle est conseillère, où elle est aussi, j'ai oublié. Donc c'est elle qui construit cette maison pour que cette femme là reste là-dedans. Jusqu'à quand les artistes vont se chamailler, des clashs, vous vivez de ça. Je ne sais pas si. Qui est caché même derrière ça? Ou on vous donne quelques miettes pour vous tromper, qu'aller clasher celui-ci, aller clasher celui-là. Je ne sais pas. Jusqu'à quand? Je suis même d'accord avec ceux qui disent que ou c'est le producteur ou c'est le manager de Grand Barak là, qu'on va l'attraper, le fouetter un peu. Pourquoi tu acceptes que le père là fasse des choses comme ça, mon frère? Toi-même qui filmes jusqu'à ce que tu publies là, toi-même tu appelles ça quoi? Eh mon frère, tu appelles ça quoi? Quand toi, tu revois ça là, quand toi, chaque jour, quand tu lis les commentaires là, tu trouves que c'est tellement bien. Hein? Moi, je vais vous dire une vérité. Nous, on voit, moi personnellement, je vois Lil Barak comme des comédiens. Les Lil Gonor comme des comédiens. Pour moi, c'est la comédie qu'ils font. Hein. Je les respecte beaucoup. Je vais parler comme ça, parce que si ça tombe dans les oreilles de Lil Gonor, il va dire que mon bon petit, même qu'il faisait son anniversaire, qu'il m'avait appelé, je suis venu chanter pour lui et tout. Oui, je respecte beaucoup ce papa qui est d'abord très humble, très simple. Mais je vous assure, moi je parle au papa là pour moi comme un grand comédien. Il est trop fort, même sa musique c'est l'humour. Donc il faut quand même respecter aussi ce que les autres font. Je respecte ce qu'il fait, je respecte sa chanson, je respecte son art. Vraiment, je les respecte. Parce qu'à leur âge même, faire ce genre de buzz qu'ils font,
c'est à respecter, c'est pas donné à n'importe qui. Mais les classer au même rang que les Valsero, que les Richard Bona, que les Aïdjo Mamadou, que les Amapiero, tout ça là, c'est où moi j'ai dit non. J'ai dit non. Mais si ce n'est que, si c'est pour les buzz, ce sont des, ils sont trop forts en buzz. C'est pour ça donc, que je dis que je les vois plutôt comme des comédiens. Et ce sont même des comédiens, quand ils font l'humour, ils font plus rire que même leur musique. Donc là, c'était une parenthèse. Vraiment, notre musique, il faut revoir. Les icônes, les grands artistes, ils deviennent quoi? Vous vous plaignez qu'on ne chante plus au Cameroun. Tous ces gens qui ont chanté, ils n'ont pas les droits d'auteur, qui misaient. Et les artistes qui ont su du succès là, quand vous avez du succès, pensez aussi que demain vous serez vieux. Pensez aussi que demain là, ça peut cuire. Chaque jour, il faut qu'on aide celui-ci. Il faut qu'on... Je ne suis pas contre ça parce que personne ne connaît comment il va finir. Tu peux avoir de l'argent, il y a des gens qui ont eu de l'argent, mais qui ont eu tellement de charges, qui ont eu tellement de problèmes, que ça a mangé tout leur argent. Quand quelqu'un tombe malade, on va dire qu'il a eu du succès, il a eu de l'argent, il a fait quoi de son argent? Vous ne connaissez pas les vies des gens, vous ne connaissez pas les problèmes que les gens ont eu dans leur vie, vous ne connaissez pas les charges que les gens ont dans leur vie. On va un peu écouter Grand Barak, mais vraiment, il faut arrêter ça. C'est le monsieur qui filme Grand Barak pour faire des choses comme ça. Il faut arrêter ça. Écoutez vous-même ce que Grand Barak dit à Valsero. Vraiment, oh vraiment, c'est quoi ça? Écoutez. Je m'appelle Lil Barak, le number one des réseaux sociaux, voir sans toucher. De retour. Bon, le thème aujourd'hui c'est quoi? Bonjour le salon de Valsero. Je n'ai pas fait le concours d'être star. Pour être star, c'est Dieu qui donne. La star mania ne se vend pas Valsero. Le petit charognard, toi tu habites en exil, tu m'avances les mots. Tu vas supporter Valsero. Tu vas supporter la guerre avec moi. Ouais, je te souhaite une marche dans l'avenir. Ton avenir est faux. Tu es jaloux du monde, tu perds ton temps. Mais pourtant, moi j'avance. Moi j'avance Valsero. Tu es un ayant besoin, moi je suis un ayant droit. J'ai tous les droits dans cette terre. Dans une autre. Mais nous, au carnet, à Valsero. Et tu me vois, au cas, je vous y ai. Au calme, moi. Je me prends un jour. Je me prends ma poule assis. Je y ai pour vous, mais on boit, mais on boit. Si un jour j'arrive à te trouver là en Europe, je vais te taper avec les mains. Parce que tu cherches toujours au te vernis. Au pouvoir, ma vernis. On parlait de moi partout, même dans les réseaux sociaux, partout les Benzikinés, les Tassimans et dans les avions. On suit mes sons. Ma beauté rentre à la maison. Ça te fait mal. Ouais, je dis que la chargée va te tuer. Quand tu vas suivre le sentiment du cœur, tu vas tomber évanoui. Tu vas tomber évanoui. Tu vas embrasser ta vieille blanche là. Elle va même chier sur toi. Elle va chier sur toi. Oui, il y a bordel dans ce que tu es en train de nuire là. Quand tu es un petit salaud pour aimer les vieilles femmes, tu vas te cacher en Europe, un exilé politique. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne parle pas de la politique. Toi, tu parles seulement insulter les politiciens. Tu sais quoi derrière la politique? Viens travailler ici au village, il y a le cacao. On va te chercher un petit fille. Comme tu es déjà laid comme ça là. Tu es sale comme un porc. Regarde ta barbe de chien là. Tu peux te laver, tu peux même te laver. Avec le nez qui tourne à Paris, là, tu peux te laver. Tu peux même moi sans te laver, comme je te connais là. Marcelo, je vais te fermer la bouche. Je vais te fermer la bouche comme j'ai fermé la tripe. Tu as fait quel concert les gens ont vu en Europe? On voit tous les artistes en Europe, ils font les concerts. Tu as fait quel concert les gens ont vu? Moi, je pars à Paris, il y a les diasporas qui me reçoivent comme un Européen, plus qu'un Européen. C'est la magie. Valsero, tu peux même faire quel concert que quelqu'un vient. Tu peux inviter qui connaît Valsero dans ce monde entier. Tu veux te faire voir inutilement. Attends, je vais faire ce que Macron te connaît. On va t'emprisonner là à Paris. Ne tente pas à mettre mes pieds en Amérique. On va te prendre là-bas. Je suis en train de te piéger, Valsero. Tu ne comprends pas. Tu vas comprendre ça après. Si tu continues à avoir mon nom. Mais dis-toi,
ne continue pas à prononcer mon nom. En tant qu'artiste que je suis une star internationale. Qui te connaît en tant que star? Une star de Macri. Un clon comme ça. Un vanifié. Un bouton. Un avorton de mouche.